La Blaxploitation est un groupe de films qui apparaît dans les années 70 aux États-Unis. Avant cette époque, les personnes afro-américaines n'ont majoritairement pas droit à des rôles importants à Hollywood. Sidney Poitier est presque la seule exception, et aussi une excuse d'Hollywood pour prouver qu'ils ne sont pas racistes. Ça se résume à des rôles d'esclaves, de domestiques ou de cireurs de chaussures. Le terme « blaxploitation » n'est d'ailleurs pas un terme officiel à l'époque, et il ne sera donné que rétrospectivement, et de manière péjorative, pour désigner ces films qui auraient exploité la communauté afro-américaine. Ce sont des films d'exploitation, donc à petit budget, qui mettent souvent en scène un grand nombre de personnages afro-américains et dans des rôles principaux, ce qui diffère de la production à gros budget. En 1971, les États-Unis sont à la fin de la guerre du Vietnam, Martin Luther King est mort il y a 3 ans, et les bavures policières se multiplient. C'est cette année que sort Sweet Sweet Back Badass Song, communément considéré comme le premier film de la Blaxploitation. Tourné pour un budget de seulement 150 000 dollars, produit en indépendant, il rapporte 10 millions de dollars malgré son caractère d'art et essai. Avec du recul, beaucoup remettent en question l'appartenance de ce film au mouvement, de par son caractère indépendant et la manière dont il traite ses sujets. C'est en tout cas un très gros succès qui interpelle les producteurs hollywoodiens, blancs, leur faisant comprendre que le public afro-américain est client de ce genre de film. La même année sort donc Shaft, qui devient le premier véritable héros noir américain, et dont le succès influencera de nombreux producteurs à se pencher sur ce type de film. Parmi ces producteurs, Roger Corman, producteur de films d'exploitation à petit budget, qui décide de capitaliser sur ce concept de film pour les noirs, et qui produit donc Blackula, un Dracula noir, ou Abby, un plagiat de l'exorciste au casting majoritairement afro-américain. Suivront des films indépendants, d'exploitation, mais aussi des films produits par des majors qui, chacun leur tour, créeront des personnages iconiques propres à la Blaxploitation, comme Foxy Brown ou Cleopatra Jones par exemple. Les films de la Blaxploitation se distinguent par plusieurs aspects. D'abord, ils mettent en scène un casting majoritairement afro-américain, surtout dans les rôles principaux, dans le but de faire s'identifier la communauté noire qui est clairement visée. A l'inverse, les méchants seront souvent des blancs, comme dans Foxy Brown, où la baronne de la drogue blanche sert de miroir inversé à Foxy, une femme noire qui cherche la vengeance. Ces personnages seront presque systématiquement aux prises avec la police, comme dans Sweet Sweet Back Badass Song, quand ils ne sont pas la police eux-mêmes, comme Shaft, qui est détective privé. Les films tournent souvent autour d'histoires de banditisme, de trafic de drogue ou de prostitution, comme dans Coffee, où l'héroïne infiltre un réseau de prostituées. Et de par leur nature de films d'exploitation, ces longs métrages contiennent souvent une grande dose de sexe et de violence assez décomplexée. C'est d'ailleurs dans certaines scènes de sexe que ces films sont en avance sur leur temps, puisque si les personnages principaux sont noirs, leurs conjoints sont parfois de d'autres ethnies, osant donc montrer des relations sexuelles métissées, ce qui ne se faisait pas dans le cinéma grand public de l'époque. L'aspect engagé et novateur de la Blaxploitation est cependant à nuancer, car même si beaucoup de ces films ont parlé au public noir, peu de producteurs et de scénaristes derrière la construction de ces derniers avaient une réelle envie de développer les thématiques sous-jacentes et de faire autre chose que des films purement populaires. Malgré l'opportunisme de certains producteurs, la Blaxploitation a grandement contribué à changer l'image des Afro-Américains dans le cinéma hollywoodien. Et même si ce mouvement culturel n'est pas extrêmement célèbre, il a tout de même laissé des traces qui se retrouvent dans le cinéma d'aujourd'hui et continue de marquer les esprits de ceux qui l'ont découvert.